Je te jure, c'est lui, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Tu vois tout le monde ? Avec les bases aériennes. Est-ce que tu vois le mot base aérienne ? Est-ce que tu sais lire ? Ça se commence par A. Alors là, Donc on est parti pour jusqu'à midi, c'est ça ? Oui, midi, oui. Donc jusqu'à midi. Donc chaque métier a son petit vocabulaire, son petit jargon. Hein. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous posez la question, il n'y a pas de questions stupides. Hein. De toute façon, je peux vous aider pour répondre aux questions déjà. Donc je me présente d'abord, donc, je suis colonel Lebris, donc j'ai quitté l'armée de l'air officiellement en 2009, puisqu'à l'époque, là, on était en retraite à 50 ans, l'armée de l'air, pas du moins les pilotes. Voilà, donc j'ai fait... J'ai fini les Mirage 3 à Luxeuil, j'ai fait du Mirage 2000N, donc la version nucléaire Mirage 2000, 2000D après, pour le tout temps, et puis après ben, je suis venu ici en 99. Après, vu que j'ai vu une voiture qui était matriculée Martinique, ben, je suis parti 2 ans au Lamantin, comme second de la base du Lamantin, au Fort de France, enfin à côté de Fort de France. Et après, j'ai fini ma carrière à Bordeaux, donc voilà. Je suis donc depuis 2012 le chef de tous les réservistes de la base. Pendant nous sommes une équipe de trentaine de bénévoles, il y a les 9 dixièmes des bénévoles sont des anciens de l'armée de l'air. On a quelques civils, on en a deux, on a une veuve d'un colonel de l'armée de l'air et on a un monsieur que vous connaissez tous. Alors vous connaissez au moins sa voix. Tout le monde se souvient de Roger Coudert là qui commentait. Oui. Voilà. Eh bien Roger Coudert quand on commentait le rugby sur les grandes ondes là, ben, il y avait Monsieur Médieu qui commentait le jeu à 13, jeu olympique sur de France. Donc là il était parti de notre équipe. Et vous le verrez peut-être, donc c'est rigolo, parce que quand il nous raconte l'arrivée d'un tout petit jeune à l'ORTF qui s'appelle Michel Drucker, on dit c'est le Michel Drucker qu'on va télé, ben, il l'a connu tout jeune et c'est lui qui l'a fait rentrer à l'ORTF, donc il y a longtemps. Donc là, aujourd'hui, on n'a que cette salle-là, un petit peu le bar, et depuis 15 jours, on a récupéré la deuxième salle à manger, donc on va s'agrandir. Ce qui fait que si vous revenez dans un an, c'est plus du tout le même musée que vous allez voir, donc je vous conseille de revenir dans un an. Voilà. Et dernière petite chose, alors je le dis tout de suite parce qu'après, j'ai jamais le temps, et puis après, on me dit « Ah, t'as oublié l'ordure !» Bon, okay, je dis maintenant. Quand on est... Alors, la base nous offre le gîte, le couvert et compagnie, donc on ne paye pas l'électricité, l'eau, la protection, les pompiers, c'est la base qui paye. En revanche, tout ce qui est intérieur, bah, on est 60 gradiels 101, donc on doit récupérer des sous à droite à gauche pour acheter tous les mannequins, les meubles et compagnie, c'est nous qui les avons achetés. Donc si vous avez quelques petits billets de 500 euros en trop, là, on a une petite boîte, voilà, à votre bon cœur, monsieur et dame, pour la sortie. Donc au début du 20e siècle, comme c'est les seuls à avoir fait un truc qui vole, ils essayent de le vendre dans le monde extérieur, ils arrivent à convaincre les Français d'acheter ces avions. Alors ils arrivent à convaincre les Français, pourquoi ? Parce que les Allemands seraient intéressés, donc comme on est, c'est le lendemain de la guerre de 1870, hein, où on a perdu notre Alsace et la Lorraine, hein. Donc comme les Français apprennent que les Allemands sont intéressés, ben, les Français vont être un petit peu plus intéressés, donc en gros ils vont mettre un petit peu plus d'argent, et du coup les Ferrari s'installent en 1906-1907 au Mans, et là au Mans, ben, ils tombent sur un hiver pluvieux, lamentable, enfin un temps exécrable, et comme le premier flyer c'est du papier huilé et du bois style balsa, l'avion ne peut pas voler s'il pleut. Et là, il tombe sur les Palois qui venaient à Pau il fait toujours beau. Et finalement, on crée à Pau, en 1908, la première école européenne de pilotage. 90% des pilotes de la Première Guerre mondiale sont passés par Pau. Donc les Funk, les Guilmer et compagnie sont passés par Pau. Alors pourquoi est-ce qu'on a ici cette maquette ? Bah parce qu'en fin de compte, à l'époque, quand je dis l'époque, c'est 1909-1910, hein, pour être breveté pilote, bah, y a une navigation triangulaire à faire, un simple triangle. Et un des points tournants, c'était soit Pontong, soit Mont-de-Marsan. Donc Pontong, c'est à côté de Mont-de-Marsan, c'est Mont-de-Marsan. Sur tous les avions, pendant la guerre de 14, les gens peignaient un insigne qui les distinguait en vol. Et donc, un des pilotes de l'escadrille, qui était donc américain, a commencé par une tête d'Indien, un Séminole, qui avait
juste une plume sur la tête. Et puis finalement, au fur et à mesure des semaines et des mois, les gens ont dit, bah oui, le signe indien, c'est très bien, on va prendre comme signe un Sioux. Ça, c'est la route de Bayonne, Saint-Sevé-Grenade, là ici, pour rejoindre Langon, et là, la route de Bordeaux, elle est sous la fumée, il y a la base. Donc ils ont relativement bien visé, je dirais. Alors, j'ai bien visé parce que moi qui suis brestois, alors je vous l'apprends certainement à certains, mais les Anglais, quand ils ont voulu bombarder le port de Brest, ils ont détruit toute la ville de Brest et le port était intact. Et toute la ville de Brest a été entièrement rasée. Il ne restait plus un bâtiment debout. La technique de tir, c'est en fait quand ils voyaient les bombes de l'avion qui était juste devant eux tomber, ben ils appuyaient sur le bouton pour larguer leur bombe. Ce qui s'est passé, c'est la dernière patrouille. Le leader a largué ses bombes beaucoup trop tôt, ce qui fait que ceux qui étaient en bout de plume ont largué les bombes sur la ville de Montmartre. Voilà. Donc il y a une dizaine de morts, enfin, par chance, il n'y a eu que une dizaine de morts. On parle pendant les deux mois qu'on durait la bataille de France, on parle des 1000 victoires de la chasse française, donc il y aurait eu 1000 victoires. Alors je dis, il y aurait eu, parce que les historiens ne sont pas d'accord sur les chiffres. En revanche, il y aurait eu à peu près pas loin de 700 avions allemands qui ont été détruits. Alors pourquoi une différence entre 700 et 1000 ? Parce qu'en fin de compte, si vous faites un combat en avion 1 contre 1, si vous détruisez l'avion allemand, vous avez une victoire aérienne pour vous. En revanche, si vous êtes à deux Français contre un Allemand, si l'avion allemand est détruit, chacun des deux pilotes a une victoire. On ne sait pas si c'est les balles de l'un ou de l'autre qui a détruit l'avion. Donc voilà pourquoi il y a une différence entre les 1000 victoires et puis les 700 avions allemands détruits. Donc eux, ils détruisent les Allemands, parce qu'il y a des centaines d'avions allemands qui contiennent. Ils voient bien que les Allemands avancent rapidement, parce que souvent, ils décollent d'un avion, enfin d'un terrain X, ils font leur mission, et quand ils veulent rentrer, on leur dit ben, « ne vous posez pas sur le terrain X, parce que les Allemands sont sur le terrain X, donc posez-vous sur le terrain Y, qui est un peu plus loin. » Donc ils voient bien que l'armée française recule. En mai 40, certains escadrons, ben, en plein guerre, hein, certains avions vont sur Toulouse et sur Perpignan, se faire transformer sur les avions modernes, donc les Dewatine 520, donc ils quittent la guerre pour les... En gros, pour retourner à l'auto-école, reprendre leur avion, là. Là, sur leurs avions modernes, eh ben, l'état-major français leur dit de partir en Afrique du Nord. Donc ils partent en Afrique du Nord. Et le but, justement, c'est de partir en Afrique du Nord, se réarmer et faire une contre-attaque contre les Allemands. Donc ils arrivent, donc tous les avions, donc les escadrons, enfin les groupes de chasse, pas les groupes de chasse, les plus modernes de l'armée de l'air française se trouvent en Afrique du Nord. Les pilotes sont en Afrique du Nord. Les mécaniciens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont bloqués. Ils sont bloqués où? Ils sont bloqués au port de Marseille, au port de Toulon. Pourquoi? Parce qu'il y a grève des dockers. En 40, il y a un pacte non-agression germano-soviétique, donc sans être alliés, Staline et Hitler ont décidé qu'ils ne se feraient pas la guerre. Ce qui fait que le Parti communiste français, lui, sans être pro-allemand, le Parti communiste français lutte contre la guerre. Donc, fait que tous les dockers font grève. Et donc, ben, tous les bateaux qu'il va amener, toutes les munitions, toutes les pièces de rechange et les mécaniciens, eh ben, ils sont bloqués comme des couillons dans Toulouse. Mais il y a un général, personne ne sait qui c'est, même s'il est secrétaire d'État, personne ne sait qui c'est, et donc le suivre en Angleterre pour continuer à lutter, ils sont fatales. Seul problème, c'est que les Anglais déclarent la guerre à la France en attaquant le port de Merselkébir. Hein, parce que en gros, les Anglais ont déclaré la guerre à la France. Hein. Donc les Anglais, il y a eu donc ce marché déposé par Churchill à l'armée française, enfin au gouvernement français, en disant, ben voilà, vous avez la marine française qui est la plus puissante, à l'époque c'est la plus puissante du monde, et dans le port de Merselkébir, soit vous nous la donnez à nous Anglais et à la fin de la guerre on vous remboursera tous les bateaux, on vous payera, on vous achètera les bateaux tout neufs, soit vous la mettez dans les ports neutres aux Antilles, soit on les coule. Donc les Français, eh ben, ils ont rien dit, donc l'armée anglaise a détruit les bateaux français. Donc c'est un acte de guerre. Et ce qui fait que tous nos pilotes, y compris ceux du Lafayette, eh bien, qui étaient prêts à partir en Angleterre, ils disent ben non, les Anglais viennent nous attaquer. Donc, sans être pro-allemand, ils deviennent anti-anglais. Donc, ils ne savent pas sur quel pied danser, en fait. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, enfin, moi, il n'y a pas la télé, hein, il n'y a que les messages officiels, et les messages officiels, c'est les seuls qui arrivent de Paris. Hein, et Vichy, après. Donc, ils sont là-bas, voilà ce qui se passe. Quand, en 1942, donc, le loup, on a parlé tout à l'heure, les Américains débarquent en Afrique du Nord, donc tout le monde essaye de revenir copain-copain. Essaye, parce qu'avec les Anglais, c'est un petit peu difficile. Et De Gaulle décide d'envoyer en URSS 1 millier de Français pour aller se battre du côté de Staline, puisqu'entre-temps, Hitler a déclaré la guerre à l'URSS et est rentré sur la Russie.
Le problème pour envoyer plusieurs milliers d'hommes en URSS, bah, il a besoin d'un pont logistique. Et ce pont logistique ne peut être fait que par les Anglais et les Américains, parce que les Français n'ont plus d'avion de transport. Et les Anglais et les Américains, vous comprenez bien qu'en 1942, ils ont autre chose à foutre qu'aller balader 1000 Français en URSS. Donc il y a uniquement une centaine de Français qui vont partir, que les aviateurs, parce qu'à l'époque, il y avait même des gens de la matière qui devaient y aller, hein. Que les aviateurs, et c'est le groupe de chasse 3 qui part. Et entre-temps, quand ils arrivent à Moscou en novembre 1942, ils apprennent que le chef d'état-major de l'armée de l'air décide que chaque groupe de chasse va choisir un nom de baptême qui sera une province à libérer. Donc, il y a deux escadrons qui sortent un petit peu du lot, mais tous les autres choisissent un nom de région. Donc, il y a le Dauphiné, il y a le Normandie, il y a le Bretagne, il y a le Lorraine. Les deux exceptions, bah, c'est le Lafayette dont on parlait avec tout à l'heure, et puis l'escadron. Un groupe qui est hérité du groupe de chasse de Guimer, l'Escadron. Donc, quand nos Français ils arrivent en novembre 1942 en URSS, bah, là, il y a un choc, deux chocs. Premier choc, c'est un choc thermique. Ça fait deux ans que nos pilotes ils sont en Afrique du Nord, là. Ils débarquent en novembre 1942 en URSS. Il y a un petit moins devant le 30 degrés. Hein. Donc là, choc thermique, surtout qu'ils ne sont pas habillés et équipés pour. Le deuxième choc, c'est un choc culturel. Parce que même si en France, il y a un fossé entre le statut d'un officier et le statut d'un sous-officier, en URSS, ce n'est pas un fossé, c'est un gouffre énorme. Et alors, à peine, l'officier il va être logé dans une baraque normale avec un lit normal et compagnie. Le sous-off, il est sur la paille de la grange. Hein. Voilà, donc il y a un choc culturel, ce qui fait que l'attaché de France à Moscou et le patron du groupe Normandie décident que tous les sous-officiers vont rentrer en Afrique du Nord. Alors les pilotes qui sont sous-officiers, parce qu'à l'époque il y a beaucoup de pilotes sous-officiers, on leur donne un galon d'aspirant, qui est le premier galon officier, pour qu'ils puissent rester quand même. Et donc tous les mécanos, ben, ils partent. Dans ce qui se passe, en fait, compte, tous les mésavions vont être remis en œuvre par des sous-officiers soviétiques. Alors, il se passe la même chose que les pilotes du Lafayette pour la Première Guerre mondiale. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, les pilotes du Lafayette, c'est les pilotes américains qui volent sous l'autorité française. Eh bien, nos pilotes du Normandie, ils volent sur des avions soviétiques avec l'étoile rouge. Ils ne volent pas avec les cocardes françaises. Hein. Ils sont intégrés à 100% dans l'armée d'air soviétique. Donc ils vont avancer tout doucement, donc chaque couleur c'est une année différente, hein. Donc 45, 44, 43, ils avancent, ils suivent en fait contre l'armée de la soviétique. Donc ce régiment de chasse 3, enfin le groupe de chasse à l'époque 3 à Normandie, début 44, il passe de 2 à 4 escadrilles, et ce qui fait que pour des raisons administratives, et uniquement administratives, hein, c'est pas un honneur de Staline contrairement à ce que croient certains, l'état-major de l'armée de l'air décide de leur donner le nom de régiment, puisqu'ils sont deux fois plus gros que les autres. Donc à l'époque, eux, un groupe de chasse en France, c'est à peu près 20 à 30 pilotes. Eux, ils sont quand même une centaine de pilotes, quand même. Hein. Donc ils sont donc régiment de chasse 3 Normandie. Ils avancent ici jusqu'au fleuve Yémen, en juillet 1944, où là, il y a une bataille qui est décisive, qui arrête net l'avancée allemande. Et Staline décide que tous les régiments qui ont participé à cette bataille porteront le nom de Niemen, ce qui fait que le régiment de chasse 3 Normandie devient donc régiment de chasse 3 Normandie-Niemen, et non Normandie-Niemen qui est aujourd'hui sur Rafale, donc ici à Mont-de-Marsan. Alors ce qu'il faut savoir quand même aujourd'hui, c'est que dans toutes les rues, dans toutes les villes russes, il y a une rue Normandie-Niemen. Et aujourd'hui encore, dans toutes les écoles russes, les gamins de primaire apprennent une chanson ou une poésie en français. En français, hein. En mémoire au pilote Normandie Yémen. Ils ont fait un bleu blanc rouge justement pour montrer qu'ils étaient donc pilotes français. Ce qui leur causait. Ben, ils se faisaient reconnaître comme ça vis-à-vis de leurs compatriotes soviétiques. En revanche, quand ils étaient abattus par les Allemands, eh bien, comme la France était censée plus être en guerre, ils étaient considérés comme espions. Katia Rozanov, donc parrain, lui fait des brillantes études d'ingénieur, il fait l'équivalent de l'école des mines d'aujourd'hui. Et il choisit l'aéronautique, et quand il sort de l'école des mines, enfin entre guillemets, parce que ça ne plaît pas comme ça, eh bien il est pilote d'essai, et donc ingénieur en aéronautique. Il rentre dans les services aéronautiques français, on va dire. Il a la chance en 1938 de voler sur l'avion de chasse allemand, donc avec un grand A, un grand C, hein, le Messerschmitt 109, qui était l'avion par excellence la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est un avion la France a récupéré lors de la guerre d'Espagne. Donc il récupère un avion tout neuf, il vole dessus. Et il fait un rapport en disant que, vu les performances de l'avion allemand, nous Français, on a des soucis à se faire avec nos vieux avions. Parce que
qu'en 1938-39, on n'avait pas les avions qui étaient fantastiques. Donc on a eu souci à faire. Bon, c'est sûr que la France, de toute façon, on ne pouvait pas faire autre chose. Il y avait, la guerre était déclarée presque un an après. Mais il a sensibilisé déjà tout le monde que, ben, contrairement à ce qu'on croyait, ils étaient quand même à la fin du projet. Donc quand il y a la guerre, ben, il est mobilisé, ce qui est normal, comme la plupart des Français. Comme il est déjà pilote d'essai, ingénieur aéronautique, on lui donne également capitaine. Il va dans un groupe de chasse qui s'appelle le Flandre. Il a une victoire aérienne. Il se retrouve parmi les autres pilotes ben, en Algérie. Là, d'Algérie, il part après au niveau du Maroc. Il se passe deux petites années. Et quand les Américains débarquent donc en décembre 1942 en Afrique du Nord, il est patron du groupe de chasse Lafayette, qui a des vieux Curtis 75, donc des vieux avions. Là, vous avez un pilote américain qui est le chef, on va dire, de toutes les forces américaines qui est en Afrique du Nord, qui reconnaît l'insigne du Lafayette qu'il a connu lui pendant la Première Guerre mondiale et décide que la première unité française à être rééquipée d'avions américains sera le Lafayette. Donc, Rosenhoff devient donc le premier patron d'un groupe de chasse qui a des avions américains. Donc, on voit les photos ici des avions modernes là. Donc, on voit avec le beau Sioux sur la dérive. Un an après, eh bien, il part aux États-Unis. Donc avant la fin de la guerre, il part aux États-Unis se faire transformer sur avion en réaction, puisqu'on débute sur les avions en réaction. Et quand il revient en France, la guerre est terminée. On crée ici à Mont-de-Marsan une base aérienne, donc on récupère la base allemande en 1945. Et on va recréer le centre d'expérience aérienne militaire. Ce centre, c'est quoi? C'est un centre qui va étudier tout le matériel allemand qu'on va piquer aux Allemands. Puisque les Allemands ont piqué notre matériel en 1940, donc on va leur piquer leur matériel en 1945. Et on va décortiquer en long ou large tout ce qu'il y a dans le ventre, tout ce matériel, ici sur Mont-de-Marsan, et ça va être donné à l'industrie aéronautique française. Une bombe. Alors, la bombe est tombée. C'est ce qu'on appelle une dumb bombe, c'est-à-dire une bombe idiote. Alors, contrairement à ce que dit madame, la bombe elle tombe pas comme ça. Hein. La bombe elle tombe comme ça, elle avance toujours à la même vitesse que l'avion. Hein. C'est-à-dire que si vous larguez votre bombe à 5 km d'objectif, votre bombe elle va voler pendant 5 km de long. Hein. Elle va voler à la même vitesse que la bombe, mais elle explose sous votre ventre. C'est pour ça que quelquefois on met des parachutes aux bombes pour les freiner et les exploser derrière. Le missile, bah, lui, il y a un moteur, enfin une fusée. En gros, sur ce missile-là, la fusée elle va jusqu'ici. Donc c'est du propergol, c'est le même liquide, enfin le même solide qu'il y a dans les fusées aériennes. Aujourd'hui, enfin hier, parce qu'il n'y en a plus de missiles comme ça, sur les Rafales, c'est un autre missile. Mais moi, sur les 2000 N, s'ils avaient ce missile-là, si on décollait du seuil, dès qu'on arrivait à Colmar, on appuyait sur le bouton, le missile partait à Berlin tout seul. Donc déjà, on est plus sûr d'être dans le dessous. Le missile, en plus, alors, c'est une arme. Hein. Après, quand je dis ça aux gamins et aux plus jeunes, ils me disent quand même ce que vous dites. Hein. Enfin, on est censé délivrer de l'armement en arme, c'est pas les gros clubs. Ici, vous avez le cœur nucléaire qui est là. En gros, c'est 30 fois Hiroshima. Enfin, ici. Si maintenant je prends le cœur à la main, donc là c'est hyper lourd parce que c'est. En gros, le plutonium c'est comme du plastique mais hyper lourd. Je ne vais pas être irradié, je ne vais pas brûler, on peut jouer au foot avec, on va s'en mal au pied parce que c'est pas très lourd, mais il n'y aura jamais d'explosion nucléaire. Si je mets mon plutonium dans du feu, il n'y aura pas d'explosion nucléaire. Il va brûler, comme tout plastique, il n'y aura pas d'explosion nucléaire. En revanche, comme il va brûler, je mets toute la poussière de plutonium qui va se balader dans l'atmosphère. Ben, ça va contaminer c'est radioactif, mais c'est pas de Tchernobyl encore. Hein. C'est pas Fukushima non plus, c'est radioactif, mais le plutonium, c'est ce qu'on appelle la radioactivité alpha, ce qui fait que l'alpha, vous en avez sur les mains, vous lavez les mains, vous êtes décontaminé. Une simple feuille de papier vous protège. En revanche, si vous en avez de la poussière radioactive sur les mains, vous vous léchez les doigts, là c'est la catastrophe, parce que ça vous rentre dans le corps, et là, votre corps, il n'y a plus rien qui vous protège. Et là, ça vous détruit. L'alpha, c'est ce qu'on donne aux gens qui ont un cancer de la thyroïde, là, on leur donne une petite capsule de rayonnement alpha pour détruire toute la thyroïde, et c'est ce qu'on donne également aux femmes quand elles ont un cancer de l'utérus, pour donc détruire tout ce qui est dans l'utérus. Donc ça détruit quand même. Voilà. Donc voilà, c'est ce truc-là, là. Et ce que je dis aux petits jeunes quand ils viennent ici pour faire les journées d'appel à la défense, hein, ben, je dis, ben, voilà, messieurs, mesdames, c'est aussi les filles, la seule personne qui peut autoriser le tir d'une arme nucléaire, c'est le président de la République. C'est le seul. C'est-à-dire que si je prends un pilote qui est fou, qui dit, moi je prends mon missile, je vais bombarder, je sais pas, ma Bagdad,
Le pilote, il ne peut pas. Il pourra larguer la bombe, mais il n'y aura jamais de réseau nucléaire. Parce que pour être réseau nucléaire, il faut qu'il y ait un code. Le code présidentiel, il n'y a que le président de la République qui l'a. En plus, le code présidentiel dans l'avion, c'est le navigateur qui est derrière qui peut rentrer. Donc il faut qu'il trouve un navigateur qui est fou. Pour décoller, il faut qu'il trouve des mécaniciens pour faire partir l'avion. Donc il faut trouver des mécaniciens fous. Il faut trouver d'autres mécaniciens fous pour accrocher l'arme. Et sortir l'arme du dépôt de munitions, dès que les portes s'ouvrent, vous avez les alarmes qui se déclenchent en temps réel de sur la base, à Taverny et au président à l'Elysée. Donc à l'intérieur, c'est vide, il n'y a rien. Tout autour, il y a plein de petits explosifs. D'accord ? Ouais. Il y a la nanoseconde près, donc 10 puissance moins 12. Hein. Tous ces petits explosifs vont exploser en même temps. Donc ça va comprimer votre ballon, qui va devenir petit comme ça, la taille d'un petit billet à roulement à billes. Et si vous levez la main, vous explosez avec. Ah oui, de la façon une fois que c'est comprimé, là, dès que c'est tout petit, ça bombe, il y a un rayonnement de neutrons dessus, et là, il y a explosion nucléaire. D'accord. Mais il faut que ça se fasse à la nanoseconde près. Hein, oui, si oui. Dans ce groupe, il y a quelques militaires, c'est des anciens de l'armée de l'air, il y a quelques amoureux de l'aéronautique, mais il y a beaucoup de gens qui découvrent tout ça. Et je peux vous dire qu'en entendant dans le groupe les commentaires, vous les avez intéressés au plus haut niveau. On voudrait vous remercier, c'est pour ça que Claude Louvignier, notre colonel, vous a proposé de déjeuner. Le président voulait vous inviter à déjeuner avec nous. Alors c'est gentil, mais une fois tous les semestres, on fait un repas avec le patron de base et puis un général, c'est aujourd'hui. Donc, ben, alors, c'est vous boirez de la santé. Deux invitations le même jour. Ça n'arrive pas tous les jours. Bon, colonel, vous êtes impliqué par vos collaborateurs dans le mémorial des aviateurs. Est-ce que je peux vous remettre ces flyers qui sont mémorial des aviateurs au Bourget. Au Bourget. Alors, pour votre information, le colonel Caplet a déjà documenté plus de 1500 fiches de militaires morts dans l'exercice de leur fonction sur les 50 000 qu'on doit recenser. Et on est en train de terminer la deuxième version du site internet qui va être mis à disposition dans deux mois. Pour le soir, les gens qui ont fait le logiciel pour classer sous vos gens, c'est les gens du musée. Exactement, effectivement, voilà. C'est deux sous-officiers, je crois. Ah non, il y a un capitaine associé. La tapis que vous avez vu tout à l'heure, la tapis, il faisait partie des deux. Là. D'accord, elle fait partie du comité exécutif. Voilà. Merci mon colonel, vous êtes très aimable. Bah, écoutez, au plaisir. Donc, il y a des gens qui voulaient acheter des insignes. Ah ben, je voulais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y en a acheté. Qui voulait acheter des insignes, là? Et on enverra du matériel. C'est super sympa. Allez, bonne chance. Monsieur le colonel, Claude Louvignier, je l'ai pu. Merci pour cette bonne matinée. Très instructive. On remercie également notre ami Robert Anidja qui fait les photos, bien sûr, comme d'habitude, mais en plus qui nous offre l'apéro. Et François qui prendra la parole à la fin du repas pour parler de son livre. Voilà. Alors, je vous remercie tous de votre présence. Nous offre les je vous ai dépassé. Merci, loin. À la fin. Lors de la dernière Assemblée Générale, le président avait annoncé la mise en chantier d'un livre qui était un recueil de souvenirs de notre jeunesse passée à Fès. Le thème n'est pas anodin parce que
je ne sais pas si vous le ressentez, autour des communications qu'il y a dans les médias, de plus en plus, le retour aux sources et la conservation de la mémoire fait partie des préoccupations de tout le monde. Beaucoup de gens travaillent sur des aspects de généalogie, beaucoup de gens essayent de garantir les souvenirs de leur propre famille. Alors ce livre qui a été mis en chantier, le conseil d'administration m'a confié le soin de le faire avancer. Alors je précise tout de suite, c'est pas mon livre, comme dit le président, tout simplement parce que là il vient de se taper un repas très arrosé, donc il contrôle plus ses expressions. C'est un livre collectif qui est construit avec, et qui est surtout illustré avec des souvenirs de chacun d'entre nous. Et l'intérêt de ce livre, ce n'est pas d'écrire un livre sur Fès, c'est d'écrire un livre sur Fès. Ce qu'on a vécu. Et le vécu qu'on a conservé. Et quand j'ai commencé à écrire les premiers textes, d'ailleurs je vais vous distribuer, je vais demander à Jean-Michel s'il vient distribuer ça. Vous avez là le sommaire. Allez, au boulot, Jean-Michel. Tu l'as pris, c'est pas la peine pour Maurice, c'est pas lire. Vous pouvez observer dans ce sommaire que on balaye très large tout ce qui a fait notre environnement de jeunesse. Et chemin faisant, quand j'ai commencé à construire cet ouvrage, je me suis rendu compte de la richesse de ce que nous avons vécu ou ce que nos ancêtres ont vécu. Parce que nous remontons, le livre débute en 1860, hein, pour terminer maintenant, dans les années 60. Tout ça pour dire que la matière, elle existe, elle est très émouvante quand on la lit. J'ai écrit 250 pages sur les 600 pages que fera le bouquin. Mais ce bouquin prend son sens que si ceux qui ont vécu des choses là-bas me fassent part de leurs souvenirs. Alors autour de cette table, il y a plein de personnes qui ont fait cette démarche, même qui ont été au-delà. Par exemple, j'ai quelqu'un autour de cette table qui m'a donné l'histoire de la vie de sa maman, écrite avant qu'elle décède, et c'est d'une richesse inouïe, et ça rentre tout à fait dans ce qu'on veut faire. Non pas pour faire pleurer, mais simplement pour illustrer tout ce qu'on a vécu. Alors, le cri qui est adressé aujourd'hui, c'est de dire, si vous voulez que ce livre se termine, il ne peut se terminer que s'il y a des témoignages et s'il y a des photos. Merci à tous ceux qui ont adressé leur texte. Tu veux des photos? Et des photos, oui, parce que les photos, c'est la conservation de notre mémoire, de notre culture, de notre identité. Et cette culture, cette mémoire, cette identité, c'est exactement ce que l'opinion publique aujourd'hui essaye de reconstruire pour demain en France. Les circuits courts, la cohabitation intelligente entre communautés, le respect des valeurs, le respect des droits, etc. Voilà, j'en dis pas plus. Je précise que transmettre vos souvenirs, vous n'êtes pas jugé sur vos écrits, on apprécie ce que vous nous dites, pas ce que vous écrivez, puisqu'on ne peut pas prendre tel que pour mettre dans un bouquin. Je reprends l'idée et je la traduis. Donc on n'est pas jugé sur son orthographe, on n'est pas jugé sur la longueur de ses pages, même si Cathy Ancina, qui est ici, pour raconter toute sa vie passée à Fès, m'a écrit exactement 52 mots, c'est-à-dire un quart de page.
Ça, c'est de la culture. Oui, exactement. J'ai raconté. Alors, il faut dire que quand on fait du pain, il faut mesurer la farine, l'eau, le sel et la levure. Mais chez Cathy, peut-être qu'elle était en pleine affection avec son mari, qu'elle a préféré terminer ce qu'elle était en train de... Avec tes lunettes, je vois tes yeux bleus d'abord. Quand tu... Donc, merci à tous pour ce que vous ferez. Dernière chose, après avoir remercié Robert pour le choix du restaurant, sympathique, on a bien mangé, etc. Ouais, bien. Impeccable. Merci, mon cher... Bah, t'as bien fait, Robert, ouais. Finalement. J'ai dit le relais est passé à René, qui s'est occupé de la deuxième partie, qui est probablement aussi intéressante que la première. Il doit être bien lourd à porter. Ah oui. Et le nom et le bâtiment. Exact. Par contre, salut. Voilà le mari. Il arrive. C'est Daniel ou... Comment s'appelle les petits clébards? Jacques Daniel ou... Jacques Roussel. Jacques Roussel. Ah ben, attends, parce qu'il voit du monde. Merci. Oui, je dis. Alors, bienvenue au château du Prada, dans cette propriété qui a la particularité d'être dans les mêmes mains depuis sa construction. Mon aïeul est à l'époque gouverneur des Hauses et en 1764, il décide d'épouser une jeune fille ici, mademoiselle Morisset, et il a un peu de fric et il se dit je vais me faire construire une maison. Alors pour les Bordelais, il va trouver Victor Louis qui est l'architecte du Grand Théâtre de Bordeaux et il lui dit faites-moi quelque chose qui soit beau mais pas trop ostentatoire. Je ne sais pas où l'un commence et où l'autre s'arrête. Voilà ce qui a été fait. Alors, il y a du vent, hein. Oui. On se croirait à Marseille. Ouais, sur un vieux port. Ouais. Vous avez un drôle d'air. Et donc, la maison, manifestement, a été construite rapidement parce que c'est très homogène. Vous savez qu'à l'époque, si ça mettait un peu plus d'une dizaine d'années à être édifié, tout de suite, il y avait des transformations qui étaient différentes parce que chaque corps d'État mettait son petit grain de sel, etc. etc. Donc, en fait, ils construisent trois bâtiments qui ont exactement la même taille, qui font 30 mètres de long par 6 de large. Le corps de logis principal est surélevé d'un niveau, donc il est R plus 1. Et dans les bâtiments de côté, qui sont des bâtiments d'exploitation, au premier niveau, on voit ce qu'on appelle un œil de bœuf. Cet œil de bœuf, contrairement à une idée très répandue, il n'est pas du tout décoratif. On mettait les animaux au rez-de-chaussée, c'était quand même plus pratique, et on mettait les récoltes au premier étage. Et pour ceux d'entre vous qui ont vécu un petit peu à la campagne, vous vous souvenez certainement qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas de moyens particuliers pour sécher les récoltes, et moi je me rappelle très bien qu'on mettait dans le grenier était plein de maïs ou d'avoine ou de blé. Il y avait simplement un petit passage de la largeur d'une pelle qui était le long du mur et tous les 10 jours, il y avait un employé qui retournait tout ça. Et en fait, on aérait les récoltes et l'œil de bœuf sert à faire du courant d'air pour aérer les récoltes. Ça va ? Donc au rez-de-chaussée, on a les animaux. Les animaux, bah ici, ça, c'était des chevaux pour se balader, comme partout. Mais avec un petit souci, c'est que la terre, ça s'appelle des sables fauves, mais en fait, c'est une terre qui colle facilement. Quand il pleut, on a facilement 1 kg à chaque botte. Donc le problème du cheval, c'est qu'il a la sole, elle se remplit de boue, et quand elle est pleine de boue, il glisse. Donc les vieux, qui étaient loin d'être idiots, avaient trouvé la parade, ont travaillé la terre avec des vaches, avec des bœufs. Le bœuf ayant 2 ongles, eh bien, il ne peut pas glisser. D'accord ? Donc, les animaux étaient au rez-de-chaussée, les céréales, les récoltes étaient au premier étage. Ce sont des bâtiments d'exploitation. On les rapproche parce qu'il paraît qu'on sent déjà la Révolution française arriver. Mais ce sont des bâtiments d'exploitation. Donc chacun chez soi, on met un mur. On sépare. D'accord ? Donc en 1982, la maison a été retenue
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc ont été retenus l'ensemble des façades, l'ensemble des toitures. Alors si vous regardez cette façade et que vous notez le nombre de fenêtres, vous verrez qu'il y en a plus sur la façade arrière, pour une raison très simple, c'est que la porte d'entrée, elle prend à elle seule une porte-fenêtre et deux fenêtres. Objet un peu remarquable, la rampe qui est faite en quatre morceaux, simplement. Et si vous montez là deux marches, vous allez voir qu'elle revient jusqu'ici. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement. C'est un aïeul qui était bonapartiste et qui s'est dit tiens, mais je vais lui faire prendre l'air et je vais le mettre en haut de la cage d'escalier. N'importe qui pouvait aller à un jour donné. Voilà. Alors. Moi, c'est un bon équilibre. C'est bon. Voilà, c'est bon, merci. C'est bon. Je suis. Donc, vous connaissez le système. Oui. Il y a une chaise ou deux, mais. Alors, l'armagnac, c'est quoi? C'est le fruit de la distillation d'un vin blanc produit dans une aire d'appellation contrôlée. Alors, à Bordeaux, c'est le Bordeaux. À Marseille, c'est le Ricard. Non, c'est je ne sais pas quoi. Enfin bref, vous voyez ce que ça veut dire. C'est le coin de Provence. Donc voilà, très bien. Alors, le vin ici, il est jaune. Hein, on l'envoie ici avec une pompe. Il est là, il descend par ici et il remonte par gravité. On est à deux corps, on verra pourquoi tout à l'heure. Et il remonte ici, il est toujours jaune. Ça va jusque-là? Oui. Ok. Il arrive ici, il tombe. Ici, on a du feu. Au fur et à mesure que le vin va descendre, il va se réchauffer. Il va tellement se réchauffer qu'il va entrer en ébullition. Ce n'est plus du vin qui est jaune, ce sont des vapeurs qui sont bleues. Les vapeurs, elles pulsent. Elles vont traverser ces petits dômes qui s'appellent des barbotins. C'est très important parce que c'est là qu'elles vont prendre et leur alcool et leur arôme. Donc elles montent, elles reviennent ici, les vapeurs toujours sont poussées, et on revient dans notre premier contenant où on a un serpentin qui fait 80 mètres de long. C'est pour ça qu'on est en deux morceaux. Donc les vapeurs, elles sont poussées là-dedans, mais on a vu qu'autour on avait du vin tout à l'heure. Or on distille quand il fait froid. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que les vapeurs vont descendre, elles vont se refroidir. Elles vont tellement se refroidir qu'elles vont condenser. C'est la première bouteille sur l'étagère derrière vous, sur la gauche. Ça colle à 90. Ah non, pas du tout. Là, vous êtes trompé de distillation. On reste là jusqu'à qu'on ait obtenu la couleur désirée. Donc on continue sur la droite. Plus on va passer de temps dans les barriques, plus on va être foncé. D'accord ? Et après, une fois qu'on a la couleur obtenue, on les met dans des vieilles barriques et c'est le process de vieillissement qui va commencer. D'accord ? Ça, c'est très important, c'est qu'en fait, on est tellement alcooleux qu'il n'y a pas d'oxydation. Le principe de vieillissement de l'armagnac, comme toutes les autres vies brunes, c'est en fait oxydoréduction. Là. Sur ordage, 7 ans, 11 ans, 15 ans. Deux produits souples, celui-là très très souple. Il y en a plus beaucoup. Ah ben, les mangeurs sont passés par là. Et celui-ci un peu plus puissant. Après les millésimes, 98, 93, 91, oui, non, mais bon, parce que je ne sais pas s'il y a tout en stock, et 82. Donc, une seule récolte, différents cépages. Les monocépages, le colombard, non, la folle blanche, le colombard, le baco et l'uniblanc. Tout ça, ce sont un seul récolte, un seul cépage.
hein, les quatre cépages principaux, folle blanche, colombard, baco, uniblanc. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer... Pardon, madame, vous vouliez poser une question, peut-être. Non. Suicides, vous avez pas parlé. Si vous ne vous sentez pas bien, vous posez... on fait des chambres d'hôtes. Hein. Elles ne sont pas garnies. Suicide, c'est le uniblanc, madame. N'essayez pas de noyer le poisson, ça ne marche pas. Bah oui, c'est ça. Il y a des coffrets, non? Si, il y a des coffrets. Des poches... Des poches adaptées.